Bonjour à tous! Cette fois-ci, une vidéo un peu différente. Bien que nous n'aurions pas échangé notre camping-car Bürstner Delphine pour n'importe quel autre camping-car, le fait d'avoir un fourgon aménagé restait quand même nous titiller. Et c'est pourquoi cet hiver, nous avons fait le tour de beaucoup de fourgons aménagés et nous sommes atterris chez le Puzzle Summit Shine 640. Et c'est avec plaisir que nous vous le présentons. L'une des raisons principales qui nous a fait pencher pour ce fourgon-ci, c'est du fait qu'il y a deux assises, mais qu'on peut en enlever une et comme ça, il y a plus de place dans la cuisine. En cas de besoin, nous pouvons à nouveau ajouter l'assise et le dossier. Les poignées de porte n'étaient pas présentes sur le fourgon, mais nous les avons ajoutées pour donner une petite touche déco et pour la facilité. Le frigo à compression s'ouvre des deux côtés. La deuxième raison pour laquelle nous avons flashé sur ce fourgon, c'est la multitude de rangements. La penderie était accessible en soulevant une partie du sommier à lattes et du matelas, mais comme nous ne trouvions pas ça si pratique, Dani a fait une ouverture et moi un petit rideau et maintenant l'accès est beaucoup plus facile. Notre camping-car s'appelait Raphaël et nous avons donné le diminutif Rafi comme nom au fourgon. Nous avons réceptionné le fourgon le vendredi avant le week-end de Pâques. Nous l'avons rempli et le samedi, nous sommes partis pour un week-end test dans les Ardennes belges, où il a beaucoup plu. Et comment notre chouette week-end se termine avec toute cette pluie et cette boue? On vous invite à regarder cela dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et nous vous disons, en espérant, à la fois prochaine!